En México, nada, nada detiene la violencia en contra de los periodistas. El asesinato de la periodista Regina Martínez era considerada una de las periodistas de más prestigio de Veracruz. Ella era la corresponsal de la revista Procesos. Se trató de la primera... C'est la première journaliste d'un média national à avoir été assassinée. Ce fut un message très fort envoyé par la criminalité. La reportera fue encontrada en su baño con huellas de golpes y asfixia. Toute proportion gardée, c'est comme un acte terroriste. Quel est le but du terrorisme? Semer la terreur, intimider. Dans le cas du narcotrafic, c'est pareil. Assassiner un journaliste, c'est comme poser une bombe dans une rédaction pour semer la terreur. Une manière de dire, ne vous mettez pas en travers de notre chemin. Le résultat, c'est que 8 ans après, nous ne savons pas. Nous ne savons pas exactement ce qui est arrivé à Regina. La justice au Mexique ne semble pas exister. Il n'y a pas une volonté claire de découvrir ce qui est véritablement arrivé à cette journaliste assassinée. Ser una periodista. ¿Y no importa una periodista en Veracruz? No. Tragiquement, après la mort de Regina, a succédé une autre, un mois plus tard, puis une autre, et encore une autre. À un moment, la presse s'est demandé, est-ce qu'on continue? Sur quoi on enquête? On parle de plus de 100 journalistes assassinés. C'est un chiffre brutal. À certaines périodes au Mexique, il y a eu plus de journalistes tués qu'en Irak ou en Afghanistan. Nous n'étions pas correspondants de guerre. C'est la guerre qui est venue à nous. Quel a été le résultat? Nous ne travaillons plus pareil. Nous avons arrêté de couvrir les sujets comme avant. Nous continuons de traiter certains thèmes, mais pas comme nous le faisions avant. C'est très clair. J'ai grandi en Californie, et le Mexique, c'est l'endroit où j'allais en voyage pour m'amuser quand j'étais adolescente. Voir qu'aujourd'hui, il y a autant de violence, qu'il y a autant de personnes tuées, autant de personnes disparues. Et se rendre compte que le Mexique est l'endroit le plus dangereux pour les journalistes me semble fou. Je m'appelle Dana Priest et je travaille au Washington Post depuis 30 ans. Moi, je viens d'un pays, c'est la Suisse. C'est un pays où on tue pas les journalistes en Suisse. Au pire, on a un procès. Je m'appelle François Rufti, je suis journaliste d'investigation à la RTS, la télévision suisse. Je m'appelle Amrei Cohen. Je suis reporter pour l'hebdomadaire allemand Die Zeit. Je suis à moitié allemande et à moitié mexicaine. Ces journalistes sont assassinés non pas parce qu'ils écrivent sur les rivières ou la beauté des paysages, mais parce qu'ils écrivent sur des sujets dangereux. Des sujets que certains chefs narcos ou certains hommes politiques ne veulent pas voir publiés et révélés au grand jour.
que la prensa internacional ponga el foco en México va a ser muy importante y este proyecto creo que es fundamental para no solo para procesos, sino en general para el periodismo mexicano. Porque muchas veces pareciera que en México estamos haciendo un trabajo aislado. Le but du projet Cartel est d'enquêter sur le trafic de drogue, la production de drogue et la violence causée par ce trafic à travers le monde. On a décidé de tous se faire confiance et de partager nos connaissances. Nous avons choisi une date de publication. On a une date, c'est en décembre 2020 qu'on doit publier tous ensemble. C'est à ce moment-là qu'on doit avoir de l'impact. Regina Martínez era la única periodista en el estado de Veracruz que tenía señalamientos directos contra políticos del gobierno de Veracruz en sus posibles relaciones con el narcotráfico. Dès notre arrivée, nous avons eu l'impression que c'était comme si le meurtre de Regina avait eu lieu la veille. Ses amis ont tellement souffert de sa mort, ils ont reçu tellement de menaces que la plupart souhaitent se tenir à l'écart, se faire oublier pour continuer à vivre. Mais une personne a accepté de nous parler. Elle était très secrète. C'était difficile d'être amie avec elle, pour elle, de s'ouvrir aux gens. C'était une figure emblématique. C'était une journaliste honnête. Veracruz es surrealista. Con este gobierno lo ha convertido en un estado surrealista, kafkiano, ¿no? La total corrupción, la total impunidad, todo lo ilógico, ¿no? De utilizar las leyes para robar y saquear al país. Hay pobreza, hay marginación, hay delincuencia organizada, hay narcotráfico, hay violencia, hay asesinatos. C'était une journaliste de toute petite taille, mais très dérangeante pour le pouvoir. Et c'est pour cela qu'elle était très respectée, très suivie, et la journaliste la plus lue du Veracruz. Voici les textes de Regina. Si tu veux regarder les thèmes qu'elle traitait, je peux entrer Regina comme auteur de 2006 à 2012. C'est la période où s'est déchaînée la guerre contre les narcos. Elle a publié 36 textes et reportages. Si elle publiait un article sur la corruption, la violence ou la collusion, il arrivait que le journal disparaisse de tous les kiosques de l'État et ne soit plus disponible. Elle répétait sans cesse qu'il n'allait pas la contraindre à arrêter. Je ne leur ferai pas ce plaisir, disait-elle. Parfois même, elle jurait, ces salauds ne me feront rien. Veracruz, le risque élevé d'informer. Ça, c'est un texte de Regina que tu as sûrement déjà lu. Il date du 6 octobre 2011.
Elle montrait des signes d'inquiétude? Bien sûr, elle avait peur, sans aucun doute. Travailler dans ce contexte, ce n'est pas facile. Rien n'est facile dans un contexte de menace, de violence, d'intimidation. Elle n'était pas très loquace, mais c'était une peur palpable que l'on percevait dans son regard. Elle était nerveuse. Elle faisait très attention à ce que ses proches ne viennent pas chez elle, par exemple. Peu de personnes savaient où elle habitait. Con el asesinato de la periodista Regina Martínez, el estado de Veracruz. Su cuerpo se encontró en el baño de su casa. Presentaba golpes y reportes forenses indican que falleció por estrangulamiento. Elle a été frappée à de nombreux endroits et elle a un gros hématome au menton. L'assaillant a ensuite pris une serpillière au sol, l'a enveloppée autour de son cou et l'a étranglée. Ce qui n'est pas rapide. Elle était probablement terrifiée. Elle a souffert. Ce n'est pas comme tirer sur quelqu'un dans la rue qui ne s'y attend pas. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que ha esclarecido el crimen de la corresponsal de la revista Proceso en ese estado, de Regina Martínez Pérez. Queremos informar a la opinión pública que el resultado de un trabajo científico, responsable y profesional de investigación, estableciéndose la conclusión de que el móvil fue el robo. Jorge Antonio Hernández Silva, alias El Silva, fue detenido y confesó haber cometido el crimen. Personne n'a pu se rendre sur la scène de crime. Personne n'a su ce que les policiers ont trouvé chez Regina. Cela aurait été important de savoir quelles preuves il y avait. Il s'est passé la même chose quand ils ont emmené le corps à la morgue. Aucun membre de la famille, aucun ami n'a pu voir ce qu'il se passait. C'était un peu une mécrainte, je me suis dit, mais comment je peux aider? Moi, journaliste européen, je ne vais pas au Mexique, je ne suis pas un spécialiste du Mexique. Comment je peux aider? Qu'est-ce que je peux apporter? La puissance des cartels, elle repose sur une chose, sur le fait qu'il y ait le trafic de la drogue. Amener, c'était une enquête sur les drogues de synthèse, une enquête qu'on doit mener de manière internationale, puisque finalement leur but est le marché des cartels mexicains. C'est les États-Unis, c'est même l'Europe, bref, c'est nous tous. Avec une poignée de collègues, on s'est concentré sur un problème, c'est le fentanyl, parce que c'est une drogue extrêmement puissante. C'est aussi une drogue qui est chimique, qui est artificielle, donc facile à fabriquer, contrairement à l'opium ou à la cocaïne, ça vient d'une plante.
Esta es la base del proceso para producir que saque el fentanilo. Cuando el proceso sale bien, tiene que llegar transparente. ¿Trabajar a cada día? Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Ha habido mucha demanda últimamente, no sé. ¿Cómo aprendió todo eso? Soy ingeniero bioquímico. Trabajo en industria química. Si hacemos, queremos que la pastilla sea adictiva y no nociva, pues. Porque hay un tema, pues. Si la hago poderosa, mato a la gente. Y aquí estoy jugándome la vida de mucha gente. Y lo que quiero es que mi usuario, mi consumidor, consuma y después necesita de otra dosis. Que haga más ganancia para el cartel. No que consuma y que ya no lo vuelva a ver en toda la vida. ¿Cuántos laboratorios como eso en la AERA? Todos, no, son varios. Yo manejo 10. ¿10? 10. Yo soy el encargado de 10. Yo soy un cocinero de élite. Alrededor de 6.000 pastillas al día. ¿Es un mercado importante para el cartel de Sinaloa o...? Pues es que va a pasar 5.000 pastillas, las puedes pasar en tus zapatos. Puedes pasar 10 kilos de coca, ¿dónde te lo vas a meter? Es por eso que el mercado está más fácil. El dinero es más noble, no huele, no se detectan los radares, no lo detectan. Ils peuvent produire cette drogue quasiment 24 heures sur 24, 365 jours par an, n'arrêtant presque jamais la production. Tant qu'ils ont suffisamment de produits chimiques, ils peuvent continuer à produire et exporter. Je m'appelle Keith Weiss, W-E-I-S. Je suis agent spécial pour l'administration antidrogue à Seattle. Le fentanyl est une drogue 50 à 100 fois plus forte que l'héroïne. Imaginez la taille d'un grain de sel ou d'un grain de sucre. C'est suffisant pour provoquer une overdose. ¿Cómo sabe qué cantidad de fentanil obtiene en la...? Nosotros ya, por el tiempo de experiencia, lo hacemos por esquina. La estrategia de ces grupos mexicanos es très astucieuse. Ils produisent des opioïdes synthétiques comme le fentanyl qu'ils mettent dans ces cachets qui ressemblent à n'importe quel cachet d'opioïdes vendu légalement et prescrit par des médecins. Donc, quand ils sont vendus dans la rue, ça séduit les consommateurs. Ils n'ont pas besoin d'utiliser des seringues pour se l'injecter dans les veines comme l'héroïne. Des consommateurs peu méfiants peuvent gober ces narcotiques sans savoir exactement ce qu'ils prennent. Il y a donc beaucoup de facteurs qui font que cette drogue est très dangereuse. C'était un dimanche. Lucas est allé se coucher. Vers minuit, je suis allée dans sa chambre pour vérifier qu'il avait mis son appareil dentaire, parce qu'il avait tendance à l'oublier. J'ai dit, Lucas, il n'a pas répondu. Je me suis dit qu'il devait dormir. Je suis entrée dans sa chambre le matin et j'ai trouvé cela étrange qu'il ne soit pas couvert. J'ai pris une couverture et je l'ai mise sur lui. Quand j'ai touché sa jambe, elle était froide, très froide. J'ai hurlé et j'ai appelé mon mari et il m'a dit « contacte les urgences ». Lucas était le meilleur fils que j'aurais pu avoir. Il était en classe de seconde. Il n'avait quasiment que des mentions très bien. Sa seule mention bien, il l'avait eue en cours d'espagnol.
Il était membre de l'équipe de football du lycée Skyline. Il jouait plusieurs instruments de musique. J'avais le sentiment qu'il vivait la vie que j'aurais aimé qu'il vive. Quand les médecins sont arrivés, ils m'ont dit « Nous sommes désolés, Lucas est mort, c'est trop tard. » De quoi est-il mort ? Un des médecins m'a dit tout de suite qu'il suspectait une overdose. Je me suis sentie plongée dans un tunnel où les règles que je connaissais n'existaient plus. Parents, teachers, and public health officials continue to sound the alarm tonight as three lives, including Lucas Bearer and Gabe Lilienthal, who you see behind me, have been taken by fentanyl-laced pills. Kids are dying from this stuff. The King County Sheriff says the contaminated pills are being bought off the streets. Dans la même école, deux jeunes sont morts à cause du fentanyl. Six mois plus tard, il y a eu un autre décès dans notre quartier. 10 mois après la mort de Lucas, un autre jeune est mort à cause du fentanyl. Aux États-Unis, avec le fentanyl, c'est près de 30 000 personnes qui meurent chaque année d'overdose. Ça a même réduit l'espérance de vie des Américains. It's important to recognize that we are seeing more people killed because of opioid overdose than traffic accidents. We are facing the deadliest drug crisis in American history. Pour fabriquer le fentanyl, qui est cette drogue de synthèse extrêmement puissante, vous avez besoin de produits chimiques rares. Ça s'appelle des précurseurs. En fait, c'est comme la farine pour faire le pain. C'est les produits de base pour fabriquer votre fentanyl. This is really the core group working on basically fentanyl provider and precursor suppliers, and so it's a supply chain we're working on. Ces produits, ils se trouvent pas au Mexique. Vous êtes obligés de les importer. Donc les cartels mexicains sont obligés de trouver des fournisseurs en Inde et en Chine. So hi, I'm Sandhya. I don't think Michael and I have met. So hi, Michael. I'm based in Chennai, in India. Is the presence of Mexican cartels in India something new? Is this a new trend? Since 2019, the fentanyl precursors being exported from India are on the rise. It's new to the authorities as well. A lot of them don't even know what fentanyl is. Il y a beaucoup de produits chimiques et énormément d'équipements. On dirait qu'il y a eu beaucoup de production dans ce petit labo. Nous avons beaucoup de scientifiques et de chimistes extrêmement bien formés qui peuvent synthétiser quasiment n'importe quelle molécule qu'un client demanderait. Ils peuvent le faire à très bas coût. La main-d'œuvre n'est pas chère. On peut installer un laboratoire à peu près n'importe où dans ces métropoles extrêmement denses. C'est extrêmement surprenant et c'est même déconcertant. En 3 ou 4 clics sur Internet, vous trouvez sur Alibaba ou sur d'autres sites de vente, vous trouvez rapidement ces précurseurs qui sont offerts à la vente. Ça paraît presque trop beau pour être vrai. Et sur le plan journalistique, on peut pas rester juste avec ces publicités et puis en tirer des conclusions. Hein. Ça veut peut-être rien dire, c'est peut-être des fausses publicités. Bref, c'est des éléments, oui, c'est une première piste, c'est comme un indice, quoi. Mais maintenant, il faut vérifier, il faut prendre contact, il faut voir ce qui se passe derrière, en fait. L'idée, c'était d'avoir un de ces intermédiaires, comme il y en a beaucoup dans ces business, un intermédiaire qui irait, pour les narcotrafiquants, acheter des matières premières en Chine ou en Inde. Et ce personnage virtuel, il s'appelle Franck Rochat, un businessman, un homme d'affaires européen complètement véreux. On se cachait pas, hein. On expliquait qu'on avait des amis mexicains, qu'on avait eu des problèmes à la douane. Bref, on faisait bien comprendre qu'on était lié au cartel mexicain. Et pourtant, tous nous ont répondu et tous nous ont offert des produits.
It's Mr. Russia from Russia Consulting. Hi. Hi. Oh, good. Nice office. Nice office. Good. Right now, I will switch the camera. You can see the product, all right? Okay. Yeah. That's the real product that we have now. Okay. Do you send a lot of this kind of chemical in Mexico? Yes, we're the third big market for our company now. So we did a lot of transfers business to Mexico already. À aucun moment, la question du contrôle, la question de la police est rentrée en ligne de compte. How easy is it to cross the border in Mexico? If you order like minimal order, we probably can do the door-to-door service to make sure you can get it. So that's our promise, yes. Sur le plan international, actuellement, il n'y a que deux précurseurs qui sont interdits ou contrôlés pour le fentanyl. Deux. Les précurseurs, c'est assez peu contrôlé parce que malheureusement, c'est aussi utilisé pour faire des substances légales. Donc c'est compliqué d'interdire systématiquement tous les précurseurs. Mais c'est qu'on le voit, les producteurs chinois ou indiens, chaque deux mois, chaque trois mois, changent de substance, vous offrent une nouvelle substance différente. How do you manage to be ahead of the law for fentanyl? From my own experience, I think there's always a new product to replace another one in the future. So it really depends. The only thing is the time issues. C'était tellement facile pour eux. Ils changeaient juste, vous savez, ils changent juste un petit aspect de la molécule et puis c'est de nouveau légal, c'est de nouveau pas contrôlé. Donc en fait, c'est un jeu de chat à la souris entre la police et les fournisseurs chinois. Et dans ce jeu de chat à la souris, c'est clairement les policiers qui sont vraiment derrière. À un moment donné, vous dites, mais il y a un problème, pourquoi ça ne fonctionne pas sur le plan international? Nous sommes allés sur Internet et nous avons trouvé des dizaines d'entreprises chinoises qui proposent ouvertement à l'exportation des précurseurs de fentanyl qui ne sont pas sur la liste rouge de l'INCB. Comment vous expliquez que ces précurseurs puissent être vendus ainsi en plein jour ? Exactement. Le problème, c'est que la plupart de ces molécules ne sont pas sur le dark web, mais en libre accès sur Internet. La raison est précisément que ces substances ne sont pas sous contrôle international, ni bien souvent sous contrôle national. L'autre explication est que lorsque la Convention de 1988 est entrée en vigueur, Internet ne jouait pas un grand rôle. Cela donne l'impression que l'INCB et les autorités nationales sont extrêmement lentes à réagir et que les trafiquants ont toujours un train d'avance. C'est comme ça. C'est un système international. Beaucoup de ces substances ont un usage légal, donc ce n'est pas évident de les contrôler. Lorsqu'on voit la crise des opioïdes, le nombre de morts aux États-Unis, vous comprenez que c'est inquiétant qu'il n'y ait pas plus de contrôle. Oui, mais c'est une communauté internationale qui agit. Donc pour ajouter une substance, il faudrait qu'un pays ou plusieurs pays le demandent. Vous avez dit c'est lent. Je crois que s'il y a la volonté, le processus peut être très rapide. Pour les deux précurseurs qui sont sous contrôle international, le processus a pris 6 mois, peut-être 8 mois. Esclarecer el homicidio de la periodista Regina Martínez Pérez, estableciéndose la conclusión de que el móvil fue el robo.
de Jorge Antonio Hernández Silva, alias El Chilpa, detenido y confeso. Je me souviens très bien avoir regardé la conférence de presse où ils annonçaient le mobile du crime. Cela m'avait paru absurde, totalement absurde. C'était comme regarder une mauvaise pièce de théâtre. Et je suis toujours en colère, parce que je sais que ce n'est pas la vérité. C'est une blague. Une offense à son travail journalistique et à ce que représentait Regina. La manière dont s'est construite cette version, c'est comme un mauvais scénario. Un mauvais film. C'est fait pour humilier. Al proceso le corresponde tomar la bandera del esclarecimiento del asesinato, aún sabiendo que teníamos todas las condiciones en contra. Y en particular, a mí me tocó esa tarea. Al final, recibí una amenaza de muerte. Naturalmente, el efecto fue devastador en muchos sentidos, pero en el caso de proceso fue que decidimos separarnos de la investigación. C'est pour cela qu'un projet comme celui-ci nous redonne de la force pour maintenir son histoire en vie. C'est très important de maintenir son histoire en vie. Ils ne pouvaient plus continuer. Notre collaboration a donc permis de faire ce que eux ne pouvaient plus faire. Je me suis rendue chez Regina 4 jours après sa mort, car nous avions détecté des irrégularités dans l'enquête menée par les autorités du Veracruz. De toute ma vie professionnelle, je n'avais jamais vu une scène de crime qui avait été autant polluée. La procureure fédérale, Laura Borboya, est une personne clé. Car c'est une procureure en poste. Ce n'est pas dans son intérêt de parler publiquement. Quand Regina a été assassinée, Laura Borboya était en charge des crimes contre les journalistes au niveau fédéral. Elle a mené une enquête parallèle à celle des autorités locales. Quand vous êtes arrivé sur la scène de crime, est-ce qu'il y avait des indices de lutte, des choses cassées? Non, rien. Rien du tout. Tout était parfaitement en place. Il y avait, dans sa boîte, une chaîne IFI, neuve. Pourquoi elle n'avait pas été volée? S'il s'agit bien d'un vol, pourquoi ils ne l'ont pas emporté? Pourquoi ils n'ont pas emporté la télévision? Pourquoi ont-ils seulement volé ses téléphones et son ordinateur? C'est bien qu'ils s'intéressaient à son travail. Elle a vraiment partagé son analyse. Et sa conviction, c'est que l'enquête avait été sabotée. Ils avaient mis beaucoup trop de poudre qui sert à relever les empreintes digitales. C'était excessif. Donc c'était impossible de relever une quelconque trace d'ADN. D'après la police, il y a un témoin qui aurait vu El Silva entrer chez Regina. Que savez-vous de cette personne? Ce témoin, il s'est volatilisé. Il n'y a que les autorités locales qui déclarent l'avoir vu. Mais nous n'avons jamais pu le localiser. Je ne peux pas vous dire qui a tué Regina, mais je sais qu'il ne l'a pas tuée. Car ça ne marche pas.
Depuis de nombreuses années, je suis témoin de la manière dont la justice est rendue au Mexique. Elle est totalement défaillante. Il faut à chaque fois lutter, lutter et continuer à lutter. El Silva était un délinquant de bas niveau, complètement analphabète. Il a dû fuir sa famille car son beau-père le battait. Il a dû, même si c'est pas très beau à dire, il a dû se prostituer. Comment El Silva a-t-il été impliqué dans cette affaire? Les autorités ont décidé que ce serait El Silva. Donc ça a été El Silva. Ils l'ont emmené au commissariat de police et là-bas, ils l'ont torturé pendant un mois. Et après, ils l'ont transféré en prison. Qui l'a torturé? Les policiers. Quel type de torture? Ils t'électrocutent, comme ils le font aux vaches. L'eau dans les narines. Ils te mettent la tête dans un tonneau avec de l'eau. Des choses comme ça. El Silva a subi quelle torture, précisément? Celle-là. Toutes? Toutes. D'un travail scientifique, responsable et professionnel d'investigation, hemos logrado esclarecer el homicidio de la periodista Regina Martínez Pérez. Amadeo Flores Espinosa était le procureur en charge du cas Regina Martínez. Lorsqu'on s'est aperçu qu'il y avait autant d'irrégularités dans cette affaire, il était important pour nous de l'interroger. Nous avons tenté par tous les moyens. Finalement, c'est son secrétaire personnel qui nous a répondu. De la parte de las autoridades locales de sabotear la escena de crimen. El Silva, bueno, denunció que lo han torturado para confesar el crimen. Yo lo que pienso es que la Procuraduría hizo una investigación profesional, seria, profunda, con los elementos que tenía en ese momento a la mano. Pero si no tuvo ningún problema y que fue tan blanco, ¿por qué no nos da esta entrevista? Hasta la fecha, no hay ninguna otra investigación, no se ha abierto ninguna otra línea de investigación distinta a la que se planteó en aquel momento. Notre enquête sur la mort de Regina poursuivait deux objectifs. Le premier, tenter d'élucider son meurtre. Et le deuxième, continuer les enquêtes sur lesquelles elle travaillait quand elle a été assassinée, car nous sommes persuadés qu'elle a été tuée pour son travail. On s'est donc intéressé à ces deux personnes sur lesquelles elle écrivait. Ces deux gouverneurs, ils avaient tellement d'influence. Je me demande encore pourquoi leurs noms ne sont toujours pas sur des posters Most Wanted à travers le monde. Ces 10 derniers mois, beaucoup d'images sont passées sur mon écran. Comme j'ai enquêté sur les armes, il y a eu beaucoup de pistolets, de munitions, de fusillades, des personnes assassinées, beaucoup de sang. Vous ne pouvez pas regarder cela 24 heures sur 24. Enfin, vous ne devriez pas.
Mon but était d'étudier les cartels et les armes qu'ils utilisaient, d'où elles venaient et qui étaient les fabricants. The firefight exploded on the streets in the city of Culiacán. Une ville de 750 000 habitants attaquée à différents endroits par les trafiquants de drogue. The situation so out of control, authorities retreated. Investigating the battle of Culiacán. Analyser la bataille de Culiacán m'a permis d'observer de plus près l'arsenal du cartel. Car il existe énormément de vidéos. C'était une occasion unique. Opportunity. On voit dans cette vidéo prise par un membre du cartel qu'ils ont une mitrailleuse lourde à l'arrière du pick-up. On peut simplement faire une recherche. Mitrailleuse lourde. Et là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu. Vous voyez la pièce à l'avant et les six petits trous à l'intérieur? C'est une Browning de calibre 50, M2 Browning. C'est une arme américaine. Il y a aussi cette vidéo prise à l'intérieur d'une voiture avec une arme anti-tank. Je sélectionne uniquement ce qui m'intéresse. On clique droit. On fait une recherche d'image inversée pour cette photo. On voit clairement des éléments qu'il y avait dans la vidéo. M72 LAW Bazooka, fabriqué en Norvège. C'était hallucinant et déconcertant après tous ces mois d'avoir répertorié une telle quantité et une telle variété d'armes. Je n'y aurais jamais cru. Des armes de mon pays, la Belgique, des armes d'Espagne, des armes d'Italie. Comment est-ce possible qu'un tel flot d'armes internationales arrive dans les mains de groupes criminels au Mexique? Culiacán est un lieu où l'on perçoit l'influence des narcos à chaque coin de rue. Les membres du cartel n'ont pas honte d'appartenir au cartel. J'ai eu le sentiment que c'était quelque chose d'assez banal pour eux. Je voulais vérifier quel type d'armes ils avaient et aussi comprendre de l'intérieur comment le cartel parvenait à s'approvisionner en armes. C'est pourquoi on s'est retrouvé à rencontrer ces deux hommes qui réparaient et tunaient les armes du cartel de Sinaloa. Ils ne nous ont pas donné leur vrai nom, juste leur surnom, l'aigle et la chouette. ¿Y eso qué marca es? Una escopeta 12 automática. Esta es una escopeta semiautomática de disco. Agarra 30 tiros. Es rusa, esta también es rusa. Esta es una R15. Este es otro R15 estadounidense. Esta es española. Esta es una Pietro Beretta italiana. Cada día o cada semana, ¿cuántas armas arreglan aquí en este taller? No, pues es que aquí a veces no. Él es un, aquí es un taller pequeño, que solo él hace detalles como este rifle. Je me suis demandé quel intérêt les membres du cartel avaient à nous parler. Je crois qu'ils étaient fiers de ce qu'ils faisaient. Le mot propagande est certainement trop fort. Mais ils se montraient de la manière dont ils avaient envie d'être perçus. Pourquoi est-ce important de probar l'arme? Nous, pour savoir ce que tu cargas, savoir ce que tu traes et que ne falle, c'est le principal que se doit faire.
Se sabe que vienen muchas armas estadounidenses. Claro que vienen desde Estados Unidos aquí por avión, por tierra, por de fronteras aquí a México. Pues no las manda, pero la mafia es la que las trae, es la que las compra. La plupart de leurs armes, ils les achètent à des trafiquants. Mais il existe une deuxième source d'approvisionnement. L'aigle ne s'en cachait pas. Il nous a dit, on les obtient auprès de policiers. La mayoría tiene que trabajar por narco. Si no trabajan por narco, pues entonces no van a ser policías. Este hecho que hay armas que vienen del gobierno para los cárteles, ¿es un hecho en todo el México o es solamente en Sinaloa? Eso es a nivel de estatal, a nivel del Estado, a nivel de todo México. Es lo mismo. Siempre cuando hay corporaciones bajas, siempre hacen lo mismo. Todos venden, todos quieren dinero. C'est clairement un problème que la police soit corrompue au Sinaloa. Mais ce n'est pas un problème isolé. Il y a tellement de policiers corrompus dans d'autres états du Mexique. Indignación en México, un nuevo caso deja en evidencia los vínculos entre cuerpos de seguridad y el crimen organizado. Una lista de por lo menos 120 policías que están coludidos con la delincuencia organizada. Les policiers vendent leurs armes. Mais le problème, c'est qu'ils commettent également des crimes avec ces armes étrangères, main dans la main avec les cartels. También se reveló en México que policías federales ejecutaron a 22 civiles en un rancho de Michoacán. 19 cuerpos calcinados, elementos de la policía estatal, estarían ligados a la masacre. Aux États-Unis et dans d'autres pays, nous avons un principe concernant les ventes d'armes qui ont la capacité de tuer des gens et de détruire des vies. Le principe est que si la personne qui veut acheter ses armes a déjà commis un crime, elle ne doit pas pouvoir les acheter. La réglementation européenne interdit à tout pays européen de vendre des armes s'il y a un risque sérieux qu'elles soient utilisées pour commettre des crimes ou servir à de la répression interne. Et au Mexique, les preuves que cela est déjà arrivé sont abondantes. Durant cette enquête, nous avons essayé de comprendre comment des fabricants d'armes européens peuvent vendre librement des armes au Mexique, alors qu'il existe tant de rapports sur la corruption de la police mexicaine. L'exemple le plus emblématique est certainement le cas d'Ayotzinapa. Lorsque je suis seul, je me sens mal. Des souvenirs tristes de cette nuit me reviennent. Cela fait 5 ans que je vis avec. Je n'arrive pas à passer à autre chose. Mais j'avance pas à pas, en essayant de laisser cela derrière moi. Je m'appelle Luis Uriel Gomez. Je suis instituteur en école primaire et survivant de la nuit d'Ayotzinapa, où mes amis ont été massacrés. Alors que nous partions, des policiers nous ont arrêtés. Et c'est là qu'ils ont commencé à nous tirer dessus. Ils étaient masqués, ils avaient des fusils d'assaut, des casques, des bottes. Je ne comprenais pas pourquoi ils nous tiraient dessus. Nous n'avions pas d'armes, rien qui leur donne le droit de tirer. C'est quelque chose qu'aujourd'hui je ne comprends toujours pas. Avec mon téléphone, je me suis mis à filmer ce qu'il se passait. Les impacts. Et derrière moi, alors que je filmais, je me suis rendu compte que les policiers récupéraient les cartouches.
Je me suis caché toute la nuit, de minuit à 6 heures du matin. Quand nous avons voulu rejoindre les autres, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait au sol plusieurs corps sans vie de nos camarades. Combien d'étudiants ont été tués cette nuit-là? 3 ont été assassinés, 1 a été blessé et 43 ont disparu. À ce jour, ils sont toujours portés disparus. Nous aimerions savoir ce qui leur est arrivé. Avec quelles armes ont-ils tiré? Des pistolets, des armes longues? À la ceinture, ils portaient des pistolets. Mais ils nous tiraient dessus avec des armes longues, équipées de chargeurs. Pour toi, quelle responsabilité ont les fabricants qui ont vendu ces armes aux policiers qui vous ont tiré dessus? Ils savent à qui ils les vendent. Et pourtant, ces personnes ne les utilisent pas pour s'attaquer au crime organisé au Mexique. Ils les utilisent contre des étudiants, des paysans, des personnes qui ne peuvent pas se défendre. C'est une grave violation des droits humains. Nous avons découvert que des armes Heckler & Koch ont été utilisées durant la nuit d'Ayotzinapa. Et peu de temps après, nous avons obtenu une fuite de données assez importante. La principale chose que nous avons découverte dans ces documents est que Heckler & Koch a volontairement violé les lois allemandes qui encadrent les exportations d'armes. Germany is by law not allowed to export weapons to areas of crisis. So in particular, it was 4 areas that they named. It was the state of Chiapas, Chihuahua, Guerrero and Jalisco. Es un juicio que se ha celebrado con gran expectación mediática aquí en Alemania. Conectamos en Stuttgart. Im Prozess um Waffenlieferungen der Rüstungsfirma Heckler und Koch nach Mexiko. Das Unternehmen muss ein Bußgeld in Höhe von 3,7 Millionen Euro zahlen. No compromise. Heckler & Koch est la seule entreprise qui a été tenue responsable pénalement. Mais on sait qu'il y a beaucoup d'autres entreprises qui ont exporté des armes qui ont été utilisées pour commettre des crimes main dans la main avec le crime organisé et que rien n'a été fait. Au contraire, elles ont continué à exporter des armes au Mexique et à faire de l'argent sans aucune conséquence. Cela fait longtemps que je fais ça. Donc je sais comment m'y prendre. Et je suis du genre à ne pas lâcher le morceau. Dans cette affaire, on a réussi à obtenir des données que personne d'autre n'a jamais eues, car personne n'a insisté aussi fort et aussi longtemps. Nous avons réussi à montrer où sont allées la plupart de ces armes entre 2006 et 2018. Sur les 238 000 armes européennes et israéliennes qui ont été vendues à des polices au Mexique, plus de 100 000 viennent de Beretta, en Italie. Plus de 60 000 viennent de Glock, en Autriche. Plus de 23 000 viennent de IWI en Israël.
Plus de 1000 ont été vendus par FN Herstal en Belgique. Et plus de 19 000 viennent de Heckler & Koch en Allemagne. Elles sont allées dans les États qui comptent parmi les plus grands violateurs des droits humains et qui ont des polices corrompues par le crime organisé. Qui en Europe se soucie vraiment de savoir qui au Mexique est tué avec des armes européennes ? Nous avons décidé de confronter les fabricants d'armes à nos révélations. Quand nous leur avons demandé une interview, aucun n'a accepté le principe d'une interview filmée. Do you have a sense of when he might be able to get back to us? Because we have very important questions concerning human rights violations in Mexico. Pas l'air d'avoir grand monde à la FN Herstal. Il y a des protocoles, il y a une réglementation commune européenne, c'est la loi. Mais pour que la loi soit appliquée, il faut que quelqu'un s'en soucie. Je n'attends pas des personnes qui fabriquent des armes d'avoir une révélation et de décider soudainement que leur business engendre de la souffrance et qu'ils devraient arrêter. Je me suis toujours demandé si Regina avait été assassinée pour quelque chose qu'elle avait publié ou quelque chose qu'elle s'apprêtait à publier. Après des mois d'enquête, nous avons découvert, grâce à la confiance établie avec certaines de nos sources, que l'ultime enquête de Regina portait sur les fosses. Era sobre las fosas. Le problème des disparus au Mexique est une véritable crise humanitaire. Veracruz en a été l'épicentre. Des fosses ont même été découvertes au sein de commissariats de police. Les gens disparaissaient en totale impunité. On parle de centaines, et de centaines de personnes. Son travail était extrêmement avancé. Cela faisait plusieurs mois qu'elle rencontrait des familles de disparus, qu'elle visitait les fosses en voiture de nuit, qu'elle les photographiait. Elle réunissait des preuves. Un de ses confrères, qui a souhaité rester anonyme pour des raisons de sécurité, nous a expliqué qu'une source au sein de la police lui avait conseillé de demander à Regina d'arrêter son enquête, car cela devenait trop dangereux. C'est vraiment durant le mandat de Herrera, au milieu des années 2000, que les cartels sont devenus plus violents et la police encore plus corrompue. Les crimes augmentent, les meurtres augmentent et les assassinats de journalistes explosent.
Deux ans avant la mort de Regina, Fidel Herrera passe le pouvoir à Javier Duarte, qui est de la même famille politique, qui est son protégé, son homme de confiance. Il lui donne les clés du Veracruz sans que rien ne change au Veracruz. En 2016, peu avant la fin du mandat de Javier Duarte, il a été inculpé pour détournement d'argent, blanchiment d'argent et d'autres crimes. Javier Duarte, exgobernador del estado de Veracruz, fue vinculado a proceso por delincuencia organizada, lavado de dinero y desvíos de recursos por más de 95 millones de dólares. Il a plaidé coupable de la plupart des chefs d'inculpation et a été condamné à 9 ans de prison. C'est difficile d'expliquer pourquoi, au final, Herrera n'a pas été poursuivi, alors que Duarte, oui. Mais la grande différence entre les deux, c'est que Herrera est très proche du pouvoir politique dans la capitale. Le mot qui résume le mieux la situation, c'est le mot impunité. Et dans le cas de Fidel Herrera, le mot impunité est intimement lié à son nom. La richesse d'Herrera n'a cessé d'augmenter sans qu'il s'en cache. Il possède 22 voitures. Il est propriétaire d'un yacht, d'hôtels. Il a de nombreuses maisons. À un moment de l'enquête, je me suis dit, comment il arrive à justifier cela ? Fidel Herrera a gagné, non pas une fois, mais deux fois au loto dans ce pays. Ce qui est normalement totalement infaisable. Fidel Herrera a gagné au loto deux années de suite, pour un montant total de plus de 10 millions de dollars. Et quand les gens ont dit « Vraiment ?», il a répondu « Oui, j'ai de la chance depuis tout petit ». C'était son explication. Je suis un homme de mains limpias que peux regarder à mes paysans et à mes conciudadanos de frente parce que tous mes actes ont été apegados à la loi. Trouver des éléments sur Herrera impliquait de s'immerger dans le monde criminel. Et c'est très difficile de le faire soi-même. Donc, on est entré en contact avec des personnes dont c'est le travail, des personnes au sein des forces de l'ordre. Plusieurs personnes m'ont orienté vers cet ancien agent spécial, Arturo Fontes. Fidel Herrera était cupide. Mon collègue le surnommait le clown qui piquait les bonbons à n'importe qui. Si quelqu'un avait de l'argent, il le prenait. Il était corrompu jusqu'à la moelle. Il était extrêmement riche. Lorsqu'il a quitté le pouvoir, il était suspecté d'avoir plus de 100 millions de dollars. Aux États-Unis, on a des lobbyistes. Ce sont normalement des industries qui font pression pour que leurs lois passent. Au Mexique, il n'y a pas de lobbyistes. Ce sont très souvent les cartels qui financent les campagnes des hommes politiques. C'est crucial pour eux, car ça leur permet de contrôler la place. Ils peuvent alors tout contrôler. Les Zetas sont des dissidents du cartel du Golfe. Ils avaient la réputation à l'époque d'être le cartel le plus violent. Ils décapitaient, torturaient, mettaient les gens dans de l'acide, en en faisant la publicité pour terroriser la population. Fidel Herrera était un allié si précieux qu'ils l'ont surnommé le Zeta Uno. Car ils avaient donné énormément d'argent, des millions de dollars pour sa campagne, et il a gagné. Donc après ça, il a prêté allégeance aux Zetas. Il leur a donné carte blanche. Ce sont eux qui dirigeaient la région. Ils ont fait beaucoup de choses.
Manas. Y choca con los valores a veces que uno tiene, ¿no? Con los principios que se inculcan. Una sensación extraña. No sabes si sentirte bien o sentirte mal. Cuando no estabas con ellos, pues te desaparecían. Cuando no pagabas el piso, te desaparecían. Podía ser simplemente que le cayeras mal. ¿A quién? A los cárteles. O al gobierno. Y desaparecer es un decir, porque no se encontraban a veces rastros por la forma en que trabajaban los cárteles, que era descuartizando a la gente y quemándola. Entre el sexenio de Fidel y el sexenio de Duarte, yo creo que estamos llegando como unos 24, 25 mil personas desaparecidas. Las instrucciones eran de que no se divulgara, se mantuviera en la confidencialidad y pues precisamente no se diera a conocer. Si Regina avait publié son enquête, cela aurait fait l'effet d'une bombe pour le gouvernement. Déjeme quedarme en Veracruz para ver el tamaño del desastre veracruzano de por lo menos Javier Duarte, sino de Fidel Herrera. Veracruz es la fosa más grande de México. Más de 22.000 restos humanos, pues hay indicios de otros cementerios clandestinos. Y a ningún gobierno le gusta que le destapen la cloaca. La reacción fue de molestia. Si on regarde les choses avec du recul, c'est après qu'elle a été tuée que l'histoire des fosses au Mexique est devenue tristement célèbre. Donc, on est en droit de penser que si elle a été réduite au silence, c'est bien pour étouffer cette histoire. Desde hace 8 meses, 25 medios en el mundo investigamos la violencia contra los periodistas en México. Queremos saber concretamente, presidente, ¿puede tomar la decisión hoy de reabrir el caso de Regina Martínez y que se realice una investigación independiente? Gracias. En lo que planteas de Regina estoy totalmente de acuerdo, que se busque el procedimiento para reabrir el caso. ¿Es un compromiso, presidente? Es un compromiso. Conocí a Regina, una periodista incorruptible, profesional. Entonces, podemos conocer toda la verdad. ¿Cómo? Es nuestro compromiso de saber la verdad. Gracias, presidente. Pour nous, cette promesse est extrêmement importante car c'est un moyen de maintenir la pression. Regina Martinez est morte étranglée chez elle en 2012. Avec sa mort, les cartels ont envoyé un message très fort aux médias. Plus aucun journaliste n'est à l'abri. Forbidden Stories a pour mission de continuer le travail de journalistes qui ont été réduits au silence. L'idée est de ne pas laisser les tueurs dicter l'actualité, de ne pas laisser les tueurs réduire au silence des journalistes et que nous poursuivions le travail qu'ils faisaient au moment où ils ont été tués. On sent une force incroyable. Tous ces gens réunis là pour un objectif, tous ensemble, ah, ça donnait palpitation et ça renvoie à notre travail de journaliste. Pourquoi on le fait en fait ? 10 secondes.
pour le plateau. 10 secondes. Si on publie tous le même jour, imaginez, c'est comme un coup de poing mondial, comme un chaos. François Ruchetier, bonsoir. Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, les violences meurtrières contre les journalistes au Mexique. Elle s'appelait Regina Martinez, journaliste mexicaine. Elle enquêtait sur les cartels de la drogue dans son pays. Project Cartel, des enquêtes publiées simultanément dans le monde entier. 60 periodistas de 25 medios de comunicación coordinados por Forbidden Stories. 25 medios internacionales como El País, también The Washington Post, The Guardian y Le Monde. Es ist der 28. April 2012, als Regina Martinez leblos in ihrem Badezimmer gefunden wird. Regina a une grande influence que l'on ne peut pas nier. Ce qui lui est arrivé a ému, bouleversé et continue de le faire. C'est émouvant, car pour des Européens ou des Américains, c'était une reporter mexicaine inconnue. Mais aujourd'hui, la voir en couverture, c'est une manière de la ramener à la vie.